sait rien. Les uns passent à chaque coin. Est-ce qu'on en verra la fin? Bonjour mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour vous expliquer comment utiliser la touche tabulation sur Euro Truck Simulator 2 en multiplayer. Qu'est-ce que la touche tabulation? C'est tout simplement la petite touche qui est à gauche de votre clavier, à gauche de la lettre A. La touche est représentée par deux flèches inversées. Quand vous faites la petite touche tabulation, vous avez une fenêtre qui s'affiche à gauche. Donc, cette petite fenêtre, à quoi elle sert? À pas mal de petites choses intéressantes. Là, vous voyez, c'est marqué serveur Europe 2. Ça vous indique que vous êtes sur le serveur numéro 2. Vous allez dire, bah tiens, lapin, il est sur le serveur 2, mais c'est normal, tu peux voir un petit peu les pseudos qu'il y a dans la liste. Que sur le serveur 1 il n'y a pas forcément grand monde, donc ça vous indique que vous êtes sur le serveur 2. Ensuite vous voyez qu'il y a marqué lapin 18 un 24 ms local, mon pseudo bien entendu, 22 ms c'est mon ping, donc plus le ping il est bas mieux que c'est, plus il monte, plus ça saccade, plus vous montez haut, plus vous risquez d'être kické. Et local, c'est ma position actuelle par rapport à la carte. Enfin, c'est pas un point GPS, mais vous allez comprendre après. Ensuite, sur la deuxième ligne, vous voyez marqué Team LSA Tajinu. Voilà, il a 24 ms, 344,2 mètres. Ça veut dire qu'il est, par rapport à moi, il est à 340 mètres de moi. Voilà. Et Diego, pareil, il est à 312 mètres de moi. Et les chiffres que vous voyez avant les pseudos, ça n'a aucune importance pour nous, mais c'est notre position classement de joueurs sur le serveur. Alors, ça n'a pas du tout d'importance. Ensuite, avec cette fenêtre-là, vous pouvez modifier quelques options. Pour ça, il faut cliquer en bas à gauche de cette fenêtre sur le petit rond jaune. Mais pour pouvoir cliquer dessus, il faut activer une souris. Donc pour l'activer, vous faites un clic droit de votre souris. Et là, vous avez une petite flèche qui s'affiche. Attention, quand vous faites ça, vous avez maintenant la souris. Mais par contre, vous ne pouvez plus changer la position de la caméra autour de votre camion. Je répète. Je clique dessus, je coupe ma souris et je bouge ma caméra autour du camion. Et je veux modifier dans ma petite fenêtre de tabulation à gauche. Si je veux activer ma souris, je fais un clic droit, ça active ma souris, mais par contre je ne peux plus bouger la caméra autour du camion. Donc voilà, je préfère bien le préciser pour pas que vous paniquez si vous faites ça en roulant ou autre. Voilà, je préfère bien le préciser. Ensuite vous allez cliquer sur setting. Là une nouvelle fenêtre s'affiche et là pour vous je vais le mettre tout par défaut. Appliquer, ok, voilà. Vous normalement vous devez avoir plus ou moins cette présentation là. Et nous avons la neige, c'est cool. Donc on va regarder tout ça. Donc il y a 5 onglets: général, sound, graphique, input, mode. Onglet général, développement login. Ça concerne un fichier log qui se crée quand vous lancez une partie, enfin du moins quand vous lancez le jeu Euro Truck, et le fichier log enregistre tout ce que vous faites en fait, lors de connexion, déconnexion, les messages d'erreur que vous pouvez rencontrer, les modes qui ne marchent pas avec le Euro Truck et ça vous donne une ligne de commande. Enfin voilà, ça enregistre tout ce que vous faites dans un fichier log qui se trouve dans document Euro Truck Simulator 2. Et log, et c'est un fichier log, et le fichier s'appelle log.txt. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, ça n'a pas d'importance. Soit vous voulez avoir beaucoup de détails dans ce fichier log, soit des infos basiques, ou soit pas du tout. Voilà, ça c'est à votre choix, moi ça reste basique, c'est par défaut. Alors, je préfère prévenir maintenant, je vais peut-être pas pouvoir répondre à toutes vos questions.
Il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses qui ne doivent pas marcher. Donc vous m'excuserez par avance, mais voilà, je préfère le préciser tout de suite. C'est pour ça que je vous dis ça maintenant, parce que comme là pour Driver Animation, je ne comprends pas. Je vois pas trop, je vois pas trop. J'aurais peut-être dû traduire le mot steering, ça m'aurait peut-être aidé. Parce que là, je ne comprends pas à quoi ça sert, Driver Animation. Alors je ne sais pas si ça concerne la circulation. Donc il faut savoir comme outil la circulation ne marche pas. Ou alors est-ce que c'est par rapport à notre camion, si il est plus réel, si il peine à monter les côtes, ou je sais pas. Alors, je ne sais pas. Là je m'excuse, vous m'excuserez d'avance, là je ne sais pas du tout. Smoothing distance. Alors ça c'est le détail qui se passe autour de vous. Là par exemple pour l'arbre, l'air, tout ça, c'est. Ça demande un détail. Plus c'est sur votre gauche, plus les détails se feront que. Je vais peut-être dire une grosse bêtise, hein, mais ça se fera. Bah, je sais pas, là, 150 mètres. Les détails se feront que sur 150 mètres autour de vous. Au-delà des 150 mètres, le détail ne sera pas fin. Ça sera un petit peu flou, ce sera pas forcément propre. Voilà. Et plus vous le mettez sur votre droite, plus le détail sera important au plus loin de vous. Donc là, je crois que ça va jusqu'à 500 mètres, je crois, autour de vous. Ouais, voilà, 500 mètres. Voilà. Donc ça, ça dépend de votre PC, ça dépend de votre carte graphique, ça dépend des réglages de votre jeu, voilà. Bah, d'importance ou pas, voilà, c'est chacun met comme il veut. Moi, ça, en toute honnêteté, je crois que ça doit rester par défaut à chaque fois. Ensuite, saison effet. Saison effet, ça concerne par rapport principalement à la neige. Donc là, vous voyez qu'il neige. Il neige quand il fait beau. Ça me paraît très logique. Mais bon, voilà. Ça, c'est au lieu d'avoir la pluie, vous avez la neige. Si vous voulez enlever la neige, vous décochez saison est faite. Vous faites appliquer, paf, il n'y a plus de neige. Alors, pendant qu'on part de la neige, comme ça sera fait. En période d'hiver, Freaker MP met en place la neige sur la route. Donc là, Winter Mode. Il est coché, donc ça veut dire que vous pouvez avoir de la neige sur la route. Moi, moi personnellement, j'en mets pas. Donc, si vous voulez avoir de la neige, vous laissez cocher Winter Mode dans Mode. Et si vous voulez avoir de la neige qui tombe, vous cochez Saison Effet. Donc, je répète, en cochant Saison Effet et Winter Mode dans Mode, quand c'est coché, vous avez de la neige sur la route. Et il tombe dans la neige. Et si vous n'en voulez pas, vous décochez tout et vous faites appliquer. Donc vous n'aurez pas de neige. Ensuite, Steam notification position. Ça, c'est par rapport à Steam. Quand vous avez vos amis sur Steam qui se connectent à un jeu, ça vous met une notification comme quoi blabla joue à blabla. Voilà. Je vous avais fait attention au début. J'ai Gothic, un de mes lapins, hein, qui. Il doit être en train de jouer à je sais pas quoi, j'ai pas fait attention. Donc ça me l'a affiché en haut à gauche. Après, vous pouvez très bien le mettre en haut à droite, par exemple. Ici. Voilà, c'est pareil pour button left, button right. Donc en bas à gauche ou en bas à droite. Ça, c'est chacun met comme il veut. Un button right. Mais c'est en général, c'est en bas à droite. Ça, ensuite, player tag. Player tag, c'est si vous voulez, si jamais vous avez créé une entreprise ou vous êtes inventé un nom d'entreprise, même si vous êtes tout seul, si vous voulez mettre des crochets et autres, ça se passe ici. Par contre, faites bien attention, c'est le même bug quand vous rentrez votre adresse mail, dès que vous mettez un caractère spécial, ça bug, il n'y a plus rien qui marche. Donc, conseil, avant de lancer votre partie, ouvrez un fichier texte. Mettez votre tag avec les crochets, tout ce que vous voulez. Faites un copier de votre tag et vous venez le coller ici en faisant CTRL V. Moi je l'ai fait tout à l'heure pour vous le montrer. Voilà, moi je viens de faire un CTRL V et ça me le colle. Par contre, je sais pas si ça marche. Je m'excuse avant que je sois kické. Hop, ça je vous l'expliquerai pour éviter d'être kické. Donc voilà, alors par contre, faut bien que je vous explique. Le pseudo que vous avez sur ETS2 sans ça, c'est le pseudo que vous mettez dans Steam. Alors, si jamais vous jouez un exemple à Call of Duty
Et sur Team, vous avez mis entre crochets le nom de la team, de votre team. Par exemple, j'invente, hein, mais entre crochets COD, par exemple, Call of Duty. Et ensuite, le pseudo. Je prends pour ma part Lapin. Donc, COD entre crochets Lapin 18. Donc, dans Euro Truck, nous, on verra entre crochets COD Lapin 18. Et si vous ajoutez en plus ceci, le nom d'entreprise de votre jeu Euro Truck, nous, on verra LCIE, Twitch, que je fais, voilà, je fais. Et ensuite, on verra entre crochets COD Lapin 18. Donc, faites bien attention si vous voulez que ce soit à peu près nickel. Il faut que sur Team, il n'y ait que votre pseudo, mais pas de nom de team d'un autre jeu ou autre. Voilà, c'est juste si vous voulez avoir quelque chose de propre. Donc, je voulais bien être clair là-dessus. Ensuite, vous pouvez mettre une couleur avant votre pseudo. Le pseudo restera toujours blanc, mais si vous mettez quelque chose ici, vous pouvez mettre de la couleur. Pour nous, pour les lapins, nous c'est 0. 250. Alors, il y a un petit bug, c'est un peu bizarre. 0 à 42. C'est un peu spécial. Hein. Je veux pas trop rentrer dedans parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est faut travailler un peu pour voir ce que vous voulez exactement. Voilà. Là, vous mettez une couleur, ce que vous voulez. Ensuite, vous cliquez dans ailleurs et ça vous mettra la couleur vert pour ce tag-là. Ensuite, loi de cabine accessoire. Je vous avouerai que je ne sais pas. Bon, je comprends bien, c'est pour charger les accessoires de cabine. Mais on les a déjà. Si c'est avec les DLC, ça marche. Il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est un mod, vous savez très bien qu'en multi, les mods ne marchent pas. Donc, que ça soit coché ou pas coché, je pense que ça ne change rien du tout. Load flag, pareil. On ne voit pas les drapeaux des autres. Donc. Je crois qu'on voit les drapeaux, mais ça ne bouge pas. Je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà, ça concerne les drapeaux. Scan item. Là, je ne sais pas du tout. Là, je ne sais pas. Alors, soit ça doit afficher. Ah, c'est peut-être pour afficher les pseudos des autres. On va voir si lui, il a un pseudo ou pas. C'est intéressant de savoir. C'est peut-être pour ça que ça affiche le tag des autres joueurs, peut-être. On va essayer. Si on en voit un, je me permettrai vite de regarder si c'est bien ça. Ensuite, player de world map. Donc ça concerne par rapport à votre GPS. Ah, bon, lui, il a pas de tag. Dommage. Ça aurait été intéressant de le voir. Voilà. Donc là, dans le GPS, vous voyez des points bleus. Donc ça, c'est les joueurs qui sont autour de vous, mais qui ne font pas partie de votre liste d'amis sur Steam. Comme ils ne font pas partie de la liste de vos amis Steam, ils sont de couleur bleue. Si vous avez des amis sur Team qui jouent aussi à Euro Truck avec vous, vous pouvez leur attribuer une couleur. Donc en fait, ils seront verts. Voilà, mes amis ne sont pas là, mais si j'avais par exemple Gothic ou Banane ou Fred avec moi là, on les verrait de couleur vert. Même Christopher, excuse-moi Christopher, vous le verrez de couleur vert ici. Pour moi, t'es pas vert, c'est plus couleur mauve. Voilà. Donc bleu, c'est les joueurs que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas dans la liste d'amis de Steam. Et pour ma part, mauve, c'est la liste d'amis Steam. Voilà. Speed limiter 90 km/h. Vous savez que nous les lapins, on est toujours sur le serveur 1. Donc, pour nous, ça ne change pas forcément grand-chose. Nous, ça joue juste en solo. Le serveur 1, vous pouvez rouler jusqu'à 90 km/h et en solo jusqu'à 110. Si vous cochez ça en solo, vous roulerez quand même, enfin vous roulerez jusqu'à 90 km/h. Vous ne pourrez pas le dépasser. Bon, c'est sympa, ça peut être intéressant de respecter la vitesse à 100%. Mais bon, voilà, c'est. Vous savez bien que sur le serveur 2 et 3, ça roule plus vite que ça. Oui, je suis là, mais je viendrai tout à l'heure, Gothic. Donc voilà, c'est la vitesse maximum à 90 km/h. Il me perturbe celui qui roule à côté là. Ensuite, défaut CB radio channel. Donc ça concerne la CB. Hop, je me trompe de touche. Je vais bouger là. Je suis
que 2 petites minutes. Hop, on bouge. Voilà. Donc ça, c'est la CB. Channel 19. Donc ça veut dire que quand vous vous connectez en multi, vous serez obligatoirement sur le channel 19. Jamais avec votre équipe, votre team, votre entreprise, vous êtes toujours sur le canal 8, pardon. Alors, vous voyez là, je mets 8 et ça me met 20. Alors, on va faire ça ici. Vous êtes toujours sur le channel 8, pardon. Si j'arrive à descendre. Tac. Et quand vous appliquez, à chaque fois que vous relancez votre multi, vous serez toujours sur le channel 8 et non, par 10, et non 19 par défaut à chaque fois. Ça peut être sympa de ça évite de toujours modifier le channel à chaque fois que vous relancez votre jeu. Donc voilà, moi je laisse 19 pour le moment, nous on n'a pas de channel par des attributs pour nous, donc voilà. Donc voilà pour l'onglet général. Ensuite nous avons sound. Donc on a la ligne speaker device. Donc ça c'est par rapport au son du jeu, enfin le son de multi. Moi je laisse par défaut, même si j'ai mon casque, mes haut-parleurs et puis ça Realtek, vous laissez par défaut, c'est pas bien grave. Voilà. Comme ça si vous changez, là pour moi le son il sort par le casque. Si jamais dans tout Windows je mets le son au haut-parleur, voilà, lui automatiquement il sortira le son à vos haut-parleurs. Après vous pouvez très bien dire non je veux que le jeu sorte systématiquement par le casque. Même si vous avez activé vos haut-parleurs sous Windows, et ben le son lui sortira que par le casque. Alors, c'est un petit truc, mais bon. Personnellement, je laisse tout par défaut. Sound effet, donc ça active ou désactive le son effet. Donc c'est l'environnement, le bout du camion, enfin voilà. Master volume, donc c'est le volume principal. Le son d'effet, pareil. Je rentre pas trop dans les détails, la musique, hein, vous réglez moins fort, plus fort. Volume voice, ça doit être par rapport à la CB, quand vous entendez les autres parler à la CB. Donc moins fort, plus fort. Engine sound, c'est pour entendre ou pas le bruit du moteur. Horn sound, ça c'est intéressant pour ceux qui abusent un petit peu des klaxons. Soit vous entendez les klaxons des autres, soit vous entendez pas. Gearbox, boîte de vitesse. Reversing sound, c'est la marche arrière. Et left axle sound, m'excuserai de l'anglais. Ça, c'est l'essieu de levage, si vous l'entendez ou pas. Micro device, donc vous sélectionnez votre micro. Donc moi, c'est resté par défaut, mais vous pouvez très bien sélectionner votre micro. Et le volume micro, ça c'est intéressant pour Gothic. Je lance un appel pour monsieur Gothic. C'est ici que vous pouvez changer le volume du micro. Voilà. Donc voilà pour la partie son. Ensuite, partie graphique. Je m'excuse, j'ai dû faire une coupure, j'ai eu un imprévu de dernière minute. On continue. Donc pour l'onglet graphique, Draw Driver, ça veut tout simplement dire si vous voulez voir les chauffeurs derrière le volant des autres camions. Bon, pour le vôtre, ça ne change rien du tout. Mais pour les autres qui sont en multi avec vous, si vous laissez cocher, vous verrez le conducteur derrière le volant. Si vous décochez, vous ne verrez plus de chauffeur derrière le volant. Voilà. C'est un petit peu, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Additional light, c'est des feux. Alors je pense que c'est pareil, c'est le même principe. Si vous voulez voir ou pas les feux des autres, que je pense que pour vous ça ne change rien. On va faire l'exemple, on va quand même regarder. On le fait ensemble. Je découvre avec vous. Ouais, on les voit. Ça change rien. Ensuite, draw distance. Alors ça veut dire, j'ai fait une traduction, dessin distance, je ne vois pas. Alors soit c'est distance, distance objet, alors peut-être que c'est pour ça affiche plus vite aux alentours autour de vous. Vous savez que quand vous faites une vue libre de la caméra, quand vous avancez en vue libre, vous voyez que le paysage s'affiche au fur et à mesure que vous avancez.
Alors peut-être que si vous augmentez la distance, peut-être que vous verrez les objets ou le paysage plus loin avant. Enfin, voilà, c'est. Alors il faudrait traduire toute cette ligne-là, mais bon, j'ai pas forcément envie de tout traduire. Avatar. L'avatar, c'est si vous voulez voir ou pas les avatars des autres chauffeurs. Donc par exemple, si vous me croisez, si vous laissez cocher avatar, vous verrez mon avatar de lapin. Par rapport à Steam, je répète bien, hein, par rapport à Steam, vous verrez mon avatar. Si vous voulez pas voir les avatars des autres, vous décochez et vous ne verrez plus les avatars avant les pseudos des autres. Ensuite, dynamique. Shadow, c'est l'ombre, c'est tout ce qui concerne l'ombre. Donc voilà, il fait nuit, on ne verra pas forcément. Mais voilà, là c'est la distance des ombres. Et ensuite, ici vous voulez voir ou pas les ombres. Donc soit vous cochez les ombres, ou soit vous ne cochez pas les ombres. Bon, il vaut mieux laisser cocher, c'est plus réaliste. Donc ces deux lignes-là, ça concerne les ombres. La distance, ici vous les activez ou pas. Et ensuite, Headlight, c'est les phares. Donc, si vous voulez voir les lumières ou pas, après c'est pareil, c'est un peu bizarre si vous voyez pas les lumières. Enfin, voilà, c'est j'ai pu arriver à traduire comme ça. Je voulais essayer, mais bon, voilà, comme je suis tout seul, c'est pas forcément évident. Donc voilà, bon, c'est pas forcément bien grave, mais bon, laisser cocher par défaut, c'est aussi bien. Donc, voilà, j'ai essayé de vous traduire au plus propre. Ça, par contre, ça va être intéressant. Windows Opacity. Vous allez me dire que c'est bien beau d'avoir une fenêtre comme ça, mais quand on conduit, on vient intérieur, c'est mieux. Quand on conduit, la fenêtre à gauche nous gêne un petit peu. Enfin, même par rapport au rétro, si vous êtes comme ça. Moi, je suis plutôt voilà, vu comme ça. Voilà, vous ne voyez plus le rétro. Pour régler ce problème, vous bougez votre curseur, on va dire, allez, à un tiers. Et quand vous le mettez à ce niveau-là, vous faites appliquer. Et là, votre fenêtre elle devient transparent. Donc c'est pas mal, c'est beaucoup mieux même. C'est pour ça que vous voyez le mien très souvent en transparent. Bon, après, vous pouvez mettre 100% transparent. Donc ça veut dire que vous verrez que les lignes, enfin que les écritures blancs. Mais nous, vous verrez plus rien autour. Ni ça, ni le petit logo City. Bon, c'est un petit peu gênant pour le retrouver. Bon, c'est pas très grave. Quand vous lancez une partie multi, à la fenêtre principale avant de rentrer dans un des serveurs, tout en haut à gauche, vous avez exactement le même setting. Donc vous pouvez recliquer dessus et modifier après la transparence. C'est pas perdu, hein, pas vous inquiéter. Vous pouvez toujours essayer si ça vous plaît. Mais moi, je préfère garder un petit peu. Voilà. C'est à peu près mon niveau. Ça, et ensuite, sur Speaking Player, si je me trompe pas, si vous voulez entendre ou pas la CB des autres. Si vous voulez entendre la CB, je crois que c'est comme ça. Pour pas me tromper. Donc voilà. Ensuite, input, il n'y a rien. Un jour peut-être. Et mode, on m'a expliqué tout à l'heure. Quand vous voyez cette phrase-là en bas à gauche, ça veut dire que vous allez cliquer pour une activité. Alors pour éviter d'être cliqué, vous faites tout simplement Y pour ouvrir le chat. Et vous faites la barre d'espace et vous faites entrer. Donc ça vous fait une action. En fait, c'est comme si vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train d'écrire ou autre. Et du coup, vous n'êtes plus en inactivité et vous ne serez pas kické. Ça évite de démarrer le camion, de l'avancer, de le reculer, de repeindre le moteur en entendant que le convoi se prépare ou autre. Voilà. Petite astuce. Pour ceux qui ne savaient pas au cas où, pour pouvoir écrire dans le chat du jeu, c'est donc la touche Y. Et vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, vous faites entrer et voilà. Du coup, comme je me suis absenté, je sais plus si je l'ai dit, mais je vais le redire. Pour parler à la CB, c'est la touche V. Donc, quand vous appuyez sur la touche V, regardez bien en bas à droite de l'écran. Il y a une petite icône du haut-parleur qui s'allume. Donc, quand vous appuyez sur la touche V, quand l'icône s'allume, vous pouvez parler à la CB, pardon. Et donc il faut rester appuyé bien entendu, et quand vous avez fini de parler, vous relâchez le bouton. Voilà. Ensuite, quand vous entendez les autres parler, ça affiche en haut à gauche qui parle. Donc vous verrez, par exemple, si moi je parle à la CB,
vous verrez écrire lapin 18 avec le petit icône du haut-parleur. Voilà. Donc ça, et ensuite ce que je voulais dire aussi, c'est que pour ceux qui font pas mal de screenshots, qui veulent enlever les pseudos au-dessus des camions pour faire les screenshots, vous savez que c'est la touche F11 pour afficher ou pas les pseudos. Et quand vous faites le F11 pour cacher les pseudos, ça cache aussi la tabulation. Bon, vous allez dire, c'est pas bien grave, si on appuie sur tabulation, ça le ferme aussi. Je suis entièrement d'accord. Mais par contre, si jamais vous fermez la tabulation, là vous roulez, vous voulez prendre un screenshot, vous faites F11 pour enlever les pseudos, vous faites le screenshot, et après vous continuez à rouler. Et là vous voulez réafficher votre tabulation. Et là, alors je vais le faire, je fais F11 pour cacher les pseudos. Un screenshot, je repars, et là j'ai oublié d'allumer ma tabulation. Là j'appuie sur table, ben là il n'y a rien qui s'affiche. Donc il faut penser à refaire F11 pour réafficher votre tabulation. En fait, ça cache tout, ça cache les pseudos et la table. Voilà, il faut juste le préciser au cas où. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on m'avait plus ou moins demandé. Je crois faire un petit tour vite fait, bien fait. Donc le premier onglet, c'est l'onglet général. Donc tout à l'heure j'ai cliqué par défaut une inversante, c'est pas grave, je vais refaire ça vite fait tout à l'heure. Donc le log, le tag de votre nom d'entreprise, la couleur que vous voulez mettre, voilà, ça marchera pas. Donc la couleur des chauffeurs sur la carte à côté de vous, vos amis par rapport à Steam, la CB, channel 19 par défaut, si vous voulez changer vous mettez moins que 19, plus le son, le volume général, le volume d'effet, le volume de la musique, le volume de la CB, tout ce qui concerne le camion, la boîte de vitesse, la marche arrière, l'essieu, le micro et graphique, on vient de le faire, input, il n'y a rien, et mode, on l'a expliqué tout à l'heure, voilà, c'est décoché. Donc voilà, je pense que j'ai bien fait le tour. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser les commentaires en dessous de la vidéo, que ce soit positif ou négatif. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et sur ce, roulez bien, faites attention à vous sur la route, soyez prudent, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.